Vous savez que je continue encore Brain Effect, mais là je peux vous faire un vrai retour, vrai, 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 parce que je suis sur la fin du paquet. Donc là, ça fait un mois que je l'utilise. Et c'est trop bien, c'est des probiotiques avec des vitamines, c'est un complexe que vous mettez le matin, soit dans un smoothie, soit dans votre compote, soit dans votre yaourt. Moi, je conseille quand même dans quelque chose d'acidulé. Après, si vous aimez genre un yaourt à la fraise, ça va vous plaire, mais moi, dans un truc acidulé, je trouve ça trop bon, je trouve ça a le goût du bonbon. Et en fait, si par exemple vous avez des problèmes de transit, désolé, hein, on est le matin, mais c'est le premier truc que je dois manger, donc je vous en parle maintenant. Si vous avez des problèmes de transit, déjà, ça va vous les régler, parce que les femmes enceintes, en principe, elles en ont, et bah moi, pour le coup, j'en ai pas du tout. Donc voilà, vous êtes un peu dans mon intimité. Mais au-delà de ça, moi, j'avais beaucoup de remontées acides. J'en avais une tonne, et c'était devenu invivable. J'avais beau prendre du Gaviscon, c'était, par exemple, c'était juste une solution sur le moment, mais c'était pas un traitement de fond. Ça, j'en ai plus. Ça y est, c'est parti, en fait. Au-delà de ça, si vous connaissez pas, les probiotiques, en fait, c'est un complexe de plein de petites bonnes bactéries pour votre corps qui vont vous aider à restaurer toute votre flore intestinale. Et quand on a une flore intestinale déréglée, on peut avoir donc tout ce qui est maux de ventre, remontée acide, etc. Mais surtout les ballonnements, si quand vous mangez, après vous vous sentez mal, que votre ventre il tire, que vous avez votre ventre qui triple de volume, etc. En fait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et avec ça, j'ai plus ça. Donc plus, bon, franchement, j'aurais dû connaître ça avant. Donc c'est grossesse friendly, bien évidemment. Mais je vais continuer, en fait. Même après, je vais continuer parce que ça, c'est bon pour le corps, hein, de manière générale. Et surtout, moi, genre, je trouve ça super bon. Par contre, c'est le premier truc que vous devez manger dans votre journée. En fait, c'est le premier truc qui doit toucher votre estomac, littéralement. Regardez, en fait, moi, ça me fait passer une compote à la pomme, ça me fait une compote fruits rouges. Ça a le goût du bonbon. En tout cas, moi, sachez que j'en suis vraiment, mais trop contente. Là, je vais recommander une cure, je vais continuer. Parce que c'est trop bien. Et je sais qu'ils font les fibres aussi avec. Mais moi, je vous avais dit, ils avaient explosé dans ma valise, donc dégoûté. Mais si vous avez problème de transit et problème de digestion, associez ça avec les fibres. Apparemment, c'est génial. Genre, j'ai une copine qui les a testées, elle m'a dit que c'était génial, que ça lui avait tout réglé. Et ça, c'est une méthode naturelle. Et vraiment, sachez que les probiotiques, toute la flore intestinale et tout, c'est de là que part votre santé, littéralement. Genre, si vous avez votre flore intestinale qui marche pas bien, votre système immunitaire, il va être défaillant. Enfin, vous pouvez attraper plein de trucs. Enfin, tout part de l'estomac, en fait. Vraiment, genre, lisez des articles et tout. Genre, moi, j'en ai lu plein. Parce que vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais eu plein de problèmes d'estomac, notamment des ulcères et tout. Parce que, justement, à force de pas avoir une bonne flore intestinale et tout, bah, ça m'avait fait des gros, gros problèmes. Bon, peut-être pas que ça, mais ça y jouait. Et ça, c'est super important pour tout le reste, en fait. Alors? Coucou! Oh, mais il est trop mignon, j'ai envie de le toucher! Mais qu'est-ce qu'il a? Il aime les humains. Ah, on dirait qu'il a soif, non? Oh, il va un câlin. Là, il remet oh, la queue. Oh, il est trop mignon! Ah, il me tire la langue. Oh. Coucou! Viens, on le touche! Bah, ça s'appelle des fils électriques. Ah! C'est ciao! On va se faire braquer. On achète quoi en fait? On m'achète un. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happens to blow, it makes a round sound. Là, le tout va nous faire 2 935 €. Waouh. Magnifique. Il est vraiment beau. Franchement, la personne qui va gagner ça.